bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War. Et je suis désolé des quelques jours sans vidéo, mais comme toute personne, comme vous, comme vos parents, comme n'importe qui autour de vous, je suis comme tout le monde, j'ai eu énormément de choses à faire, des petites complications à gauche à droite. C'était très compliqué ces derniers jours, mais voilà, j'ai eu des jours très chargé et j'ai pas pu vous enregistrer de vidéo. J'en suis navré, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Je vous fais rarement ce coup là, vous le savez très bien. L'important c'est que on revienne et en plus en grande forme, bien évidemment. On est donc parti pour la suite de notre aventure et on devait passer cet obstacle fort chiant. Aucun souci, il suffit de bloquer ici pour l'instant. On a quelque chose ici, on a des racines, très bien. Comment faire là en fait? Je comprends pas. Ah, j'ai trouvé, très bien. J'ai trouvé. Bougez pas, ça va être très rapide. Hein. Ah oui. Ok. Normalement, ça devrait s'inverser. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Allez, ça dégage. Ça dégage, aucun souci, on est reparti. Yo, nouvelle pièce, nouvelle salle, nouveau plaisir, nouveau bonheur. Ok, il y a des choses pendues, mais qu'est-ce que c'est? Des organes, vous croyez? Des organes génitaux? Je ne sais pas. Ah, on a quelque chose ici, très bien. On a des choses un petit peu partout. Qu'est-ce que ça peut être? Oui, je crois que c'est des organes. Hein. Je crois que c'est des organes. Oh là! Attendez, il y a quelque chose de très néfaste à faire un peu partout. Là, on a un coffre qu'on va récupérer. C'est le corps de qui, les gars, là? Je veux des noms, là. Hop, on va ouvrir ça. Ok, c'est pas grave. On va laisser par terre notre pierre. On en a pas besoin, à mon avis, pour le moment. Avec moi. Oh là là! Là, tu me fais plaisir. Des nouveaux... Bah, des brassards, des brassards. Moins 20 en récupération, par contre, plus 23 en runes. Moins 16 en défense. Finalement, je suis pas sûr que ce soit aussi dingue que ça. Par contre, en vrai, sachant que là, j'ai un emplacement de prix, peut-être... Ah oui. Si je retire... C'est comme ça qu'il faut vraiment comparer la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je gagne plus 1 en force, moins 1 en défense, mais 23 en runes. Ah, finalement, il est peut-être mieux. Il est peut-être mieux. Et on va y mettre, évidemment, la pierre qu'on avait avec pour récupérer la défense parce que j'avais perdu 1 de défense. C'est pas mal. C'est pas super ouf, en vrai. Il était pas méga ouf, ce brassard. Mais il reste quand même positif dans le sens où je sens qu'on a accompli quelque chose d'incroyable. C'est parti. Je sais. Ok, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça sert à rien. Qu'est-ce que c'est que cette petite sombrerie? Cette mascarade, si je peux me permettre d'avoir ce terme. On peut pas monter là. Mm-hmm. Là, on a des pics qui sont bien, bien hauts. Qu'est-ce que c'est que cette loucherie? Attendez, on a quelque chose à faire ici. C'est assez terrible. Est-ce que vous croyez que c'est bloqué? Je croyais que c'est bloqué quelque part là. Ah yes. Ok. Préparez-vous. J'ai été monstrueux. Très bien, c'est bien ça. C'est bien ça. J'ai tenté, écoutez, un coup de feeling. Et c'est vrai que c'était le bon numéro, comme on dit dans le milieu. D'accord, il y en a un autre. Ah, ça peut me chicoter, ça, très rapidement. D'accord. En soi, je peux monter là. Normalement, ça me tuera pas. Ah oui, faut que je cavale. En vrai, si je cavale... Ouais, non. Aucun souci. Je reviens pas qu'on soit si près du but. Aucun souci. Personnellement, je n'ai jamais douté. On a eu chaud quand même. Lis-moi ça, fils. Laissez-les en paix. De toute évidence, ça ne s'adresse pas à nous, ça. Allez, les dernières chaînes. On va pouvoir retourner le plateau complet et voir un petit peu ce qui se cache de l'autre côté. Je rappelle qu'on devait tuer notre pire ennemi, celui qui avait osé toquer à notre porte et qui a failli s'en prendre à Atreus, même s'il méritait un petit peu, pour être honnête avec vous. Oh putain de merde, lance-flamme. Ok, on va leur mettre leur dose. Waouh, vous êtes quoi les gars? Ça c'est chapeau hein. Allez. Là, je suis ici pour mettre des patates, mon pote. Hein. Je suis ici pour mettre des patates.
Allez. Ok. Allez. Oh là, normalement on le termine. Ils sont méga chauds en vrai hein. Hop. Voilà, hein, ça c'est si tu poses pas de like, ça va très très vite. Ok, c'est pas mal. Ah putain, bien joué à lui. Il m'a sonné les gars. Je suis sur une nouvelle planète on dirait. Ok, normalement je crains zéro damage. Allez. C'est terminé. J'ai été monstrueux. Merci à moi. C'est tout hein. Rassurez-moi. Allez, on ramasse. J'ai été monstrueux ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette sombrerie? Quelle est cette chose néfaste qui me titille? Ok. Savoir que le lance-flamme change de direction. Hop, ça dégage. Faut pas se foutre de ma gueule. Hein. Au bout d'un moment, on en a marre. Ok, je vais aller récupérer les heals. Bougez pas, hein. je vais être monstrueux. Oh, les bâtards, ils ont disparu. On s'en va. Allez, on a plus rien à faire. Bien joué à vous, bien joué à moi. Ah putain, on est obligé de les faire. Bon, allez, les gars. Vous êtes lourds, vous avez 35 ans. Préparez-vous. Putain, j'ai été nul, hein. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Une sorte de manipulation spirituelle. Ça, c'est fait. Et normalement, deux coups de hache. Nickel. Ok. On va pouvoir faire marche arrière. Avant, on va récupérer le coffre. Démonstration. Ouais, j'ai été monstrueux. Ils ont rien pu faire. J'ai été le boss du game. Je pense qu'on peut le dire. N'ayons pas peur des mots. Qu'est-ce que c'est, fils? Encore un morceau du code. Yes. Génial. 3 sur 4. 3 sur 4. Pardon, je ne sais pas parler. C'est méga cool. Ah bah voilà, on a quelque chose ici. Je me disais bien avoir vu. Avoir surpris quelque chose. On y va. On y va, on y va, on y va. Ok. Aucun souci normalement. Hein. Hop, c'est ici. What? Ça se lève plus, très bien. Ok, bon, on y va. On y va, aucun problème. Ah putain, bougez-vous. Oh. Oh, on peut. Non, on peut varier les enchaînements, ça peut être insane, ouais. On peut faire des trucs méga cool. Hop, oh, t'as pris ce que tu mérites, hein. Ok, ça dégage. Qui d'autre? Ils s'en battent les couilles. Oh, ça c'est un beau coup ça. Ça. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Ok, c'est parti. Hein. Hop, on régale. Hein. Là tu peux pas te protéger mon petit pote. Hein. Ça dégage. Ok, toi. Ça dégage. Ah, ok. Je laisse pas apparaître, hein. Je sais pas qui c'est, frère. Bon, on m'a dit de pas parler aux inconnus. Oh, 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 oh. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Allez, ça dégage. Voilà. Oh là là là. Oh, je les dose, hein. Oh, je les. Oh, mais je les. Aïe! Oh, il faut... oh, ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps, tout est allé très très vite, même pour moi. C'est le moment de retourner le temple. Oui. Horizon a arrêté d'envoyer l'expression « retourner le temple », ça devient un peu trop normal. D'accord. Ah. Mais oui, c'est clair. Attendez, 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 attendez. J'aimerais s'il vous plaît qu'on s'organise. Je viens de par où, moi? Je viens d'ici d'ailleurs, un petit peu, non? Moi, je viens de par ici. Je viens totalement de par ici, donc l'issue ne peut être que par ici. Ah ah. Il y a juste à courir. En vrai, il y a juste à courir, on est méga large. Vous êtes prêts? Ça va aller très très vite! Voilà! Aucun souci, les gars! Il n'y a plus rien à faire ici. Et on est bon! On va pouvoir retourner tout cela. Et on va voir un petit peu où ça mène. On y va, Atreus. On arrête de déconner maintenant. Ça va la comédie. Je commence à en avoir marre. Mes frères, je sais ce que je vous ai promis, mais si jamais ça ne marchait pas, souvenez-vous,
Tyr a créé ces obstacles pour une bonne raison. Il a su empêcher Odin d'atteindre Jotunheim, mais la paix est loin de régner. Non, mais il y a de l'espoir. On travaille tous ensemble maintenant. On est unis. C'est ça que signifiait la rune sur la porte qui menait ici. On suit la voie de Tyr. Mais là, c'est compliqué aussi, là, office. Ok, on va passer par ici. Pousse avec tes jambes, frère. Allez, on y va. Toujours pousser avec les jambes, les gars. Faut pas vous escrinquer le dos, c'est normal. Allez, Kratos, envoie tout ce que t'as, frère. On retourne l'univers. Les mondes parallèles. Vache. Où cette force brute sera la solution, je serai content d'être de ton côté, mon frère, et nous ne sommes pas morts. Que demander de plus? Là, à gauche. Je pense qu'on peut monter à l'envers pour rejoindre la salle de passage entre les royaumes. D'accord, tu veux monter à l'envers, ok. Juste avant, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici? Non, ça m'intriguait. Excusez-moi, j'étais attiré. On est parti. Faites-moi rêver. Yo, les gars. Ah! Attendez. Avant, on montait, non? Je sais plus ce qui se passe, déjà. On a retourné, tout est sans dessus-dessous. On était en train de monter. Oui, on était en train de monter, ouais, je m'en souviens. Donc, on redescend. Sachant qu'on a tourné le plateau. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Donc là, c'est le côté obscur. Ça veut dire que... c'est très sombre. Hein. Faut passer par là. C'est quoi ça? Mais non, mais il n'y a aucune raison de passer par ici, c'est totalement ridicule. C'est totalement ridicule. Reviens, fils, reviens, ça m'énerve. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais mon objectif est totalement haut. Quand il voulait dire à gauche, il voulait dire au couloir à gauche. C'est pour ça que j'étais allé dans le couloir. On est manipulé, fils. Hein. On est manipulé, tu m'excuses? Hop, la prochaine fois, c'est une claque. Hein. Je te louperai pas. Hop, putain, t'es vraiment trop petit. Je fais que de passer au-dessus, c'est terrible! Attention, putain, mec, t'es trop bon. Allez, on y va. Toujours taquiner un petit peu son fils. Bon, c'est à gauche, il a dit. On écoute ce que mon fils a à dire, d'accord? Ça serait peut-être la fin déjà du jeu. Ah, ça me ferait chier. Je pense qu'on continuerait en vrai. On continuerait dessus. Quoi? Un passage, tu dis? Oui, près des statues. Ah! Mmh. On retourne aux statues. On retourne totalement au statut. Six allers-retours des familles. Atreus, désolé, c'était un trape. Eh ouais, putain, j'ai tout... Oh là là, c'est terrible. J'ai tout essayé sauf ça. Bah ouais, mais... Je vous comprends. Eh oui, voilà. Fais-moi, Atreus. Tu vois, Mimir, personne pourrait faire ça tout seul. Tous ces obstacles, ils nous permettent de prouver qu'on est les seuls à pouvoir les battre. On a beau se disputer, mon père et moi... toi et Freya, Brock et Sindri. Quand on unit nos efforts, on forme une bonne équipe. C'est ça le test de Tyr. Et c'est pour ça qu'on va réussir à atteindre Jotunheim. Tu entends ça, mon frère? Le garçon a trouvé son équilibre. C'est quoi ça? Il veut dire que tu parles avec sagesse, Atreus. Et ça fait plaisir à entendre. Ok, collecter le mystérieux objet de Tyr. Ok. Ah, alors le temple a été conçu pour être renversé. Regardez, l'arbre est à l'envers. Ou... c'est nous. Je sais plus trop. Très bien, on va le ramasser. Cet objet incroyable. Quelle est donc cette sombrerie? Je ne peux pas. C'est bon. Atreus, ton couteau. Alors, qu'avons-nous là? Une sorte de pierre de transport. Fais-moi voir. Par l'épée d'Odum, là, c'est la pierre d'unité. Tu sais ce que c'est? Je n'étais pas sûr qu'elle existe. Si Tyr l'avait en sa possession, ça expliquerait comment il a pu se rendre dans tous les royaumes, et même au-delà. Il tenait ceci. Sur le panneau dans la bibliothèque d'Odin. Oui.
Oui, ça y est, je comprends maintenant. Sa montre tire parcourant le monde entre les royaumes. On dit toujours qu'il ne faut pas s'écarter du droit chemin, mais Tyr, lui, suivait son propre chemin, si tu vois ce que je veux dire. Le monde entre les royaumes. Très bien. Le chemin de Jotunheim, terminé. Explorer le monde entre alors, les tu penses que royaumes. La fresque de Tyr le montrait sautant d'une branche de l'arbre monde et que, pour atteindre l'accès secret à Jotunheim, nous devons en faire autant? C'est ça. Bonté divine. Tu le penses vraiment, n'est-ce pas? Ok, je pense qu'il faut passer par ici. C'est très étrange. Des petits frissons, qu'est-ce qu'on a là? J'ai besoin de cet alchimiste pour une création que je te réserve. Je sais pas ce qui va se passer, les amis. Hein. Mais cette fois-ci, on va rester dans le passage qui nous permettait de nous téléporter. Ok, et faut que j'aille où, là? D'où Jésus? Ok, juste ici. Donc je reste dans le monde entre les royaumes. Très bien. Ok, c'est ici. Si tu comptes nous précipiter dans le vide, j'espère que tu sais ce que tu fais. Ah, souvenez-vous, on avait sauté une fois. De trouver notre propre voie. Quoi? Ah, d'accord. Merde. C'est quoi le chargement? Ok! Souvenez-vous, on avait sauté. Bah, c'était la mort, hein. C'était la mort. Sauf que là, c'est la bonne! Parce qu'il y a la pierre. Tyr a franchi le pas et que la pierre d'unité l'a protégé. Prêt? Prêt! Eh bien, nous y voilà, mes amis. Ce fut un honneur. Aie confiance, tête. C'est incroyable! Je pensais qu'il y aurait. Je peux avoir la nausée alors que je n'ai pas l'estomac. Tu rigoles, c'était génial! Regarde! La tour! Je savais bien qu'il y avait quelque chose ici! Incroyable! Comment cache-t-on une chose qui existe dans tous les royaumes? En la déplaçant dans le monde qui sépare les royaumes? Tyr était malin. Est-ce que Jotunheim est de l'autre côté? Ça ne peut pas être ça! On ne peut pas passer par Vanaheim pour atteindre le pic de Midgard. Alors comment on l'utilise? Je suggère de regarder à l'intérieur, mais restez prudent. Les défis de Tyr ne sont jamais aussi simples qu'il y paraît. Zone découverte. Tour de Jotunheim. Alors putain, ok. Donc la tour manquante était entre eux, dans le monde, entre les royaumes. Incroyable. C'est un casse-tête. Juste fou. Mais qu'est-ce que c'est fou? Ok. C'est très... dépouillé. Le piédestal. Ok, ici on a full life, ici on a full rage. Les gars, je vous dis très honnêtement, ça sent le boss final. On peut passer aucune porte. Ok, préparez-vous. Il y a eu de quoi se mettre full life, full rage, préparez-vous. C'est maintenant. Oh non, il a pris la pierre. C'est bien fait. Elle absorbe l'énergie de la pierre. Quelque chose! Elle bouge! Elle bouge! Elle sait quoi faire! La pierre a rempli son rôle! On réalise le sort de Tyr! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Aucune idée! Mais après cette chute, le pire doit être derrière nous! What? Ah! Je retire ce que je veux dire! Allez, je sais pas où je tabasse, mais on tabasse! Ça sent la fin! Oh là 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 là! Ça me sac! Aïe! C'est bon, j'ai pas pris tout. Oh là là, je suis à monstre! Je sais pas ce que je fais. Hein. Allez, on va couper dans le vif du sujet. Ok, j'ai compris pourquoi il y avait de la rage et il y avait de la vie. Elle fait une grave erreur, elle apprend tout de suite. Il reste encore de la rage au sol.
Pas mal. Tant que ça soit fini. Ok. C'est pas mal. Ça va s'embrouiller, ça, là. Où est-ce qu'on est? Oh, ça ressemble à Alfheim. Oh putain, c'est les ennemis de chaque royaume. Ok. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Aïe! Je suis plongé dans le noir. Pas eux, putain. Ok. Aïe! Waouh! On y va. On y va, on tape dans le vif du sujet. Allez. Ah les gars, là je suis désolé, je suis en concentration maximum. Compliqué, putain. Ok, je ne vois rien. Ok, c'est pas mal. Petite esquive, on prend la vie. Oh les bâtards. Aïe. Mais c'est pas vrai. Bien joué, vous êtes les meilleurs. Je ne peux rien faire. Hop, c'est terminé. Tu m'as gonflé. Oh là 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 là, je suis pas bien les gars. Je suis pas bien, mais c'est incroyable. Incroyable, je vois même pas leur vie. Ok, je crois qu'il est mort. Hop, un petit effet, c'est ma doublure cascade qui a pris la relève. Ok. Ok, putain, c'est chaque gros ennemi qu'on a affronté. 10 contre 1, on va affronter ceux où on doit gérer à la hache. Et bien évidemment, aux lames du chaos. Oh, ça, c'est une belle esquive. Oh putain, bien joué, t'as été le meilleur. Oh, bien joué, t'as été encore une fois le meilleur. C'est compliqué cette histoire. Merci, fils. Hop, on lui éclate la gueule. Oh là là. Je ne sais pas. Non, là, fils, je peux rien faire. On va nulle part, hein, les gars. Oh non, on est revenu à elle. Oh non, putain. Ils arrivent. Oh putain, les gars, les gars, les gars. C'est la fin du jeu. C'est donc ça que je mérite. Bon, le royaume des morts, il y a que avec ça qu'on peut les avoir. Ah, sauf lui, lui, il est très chiant en soirée. Hein. Ok. Très bien, ça, ça dégage. On va se remettre bien. On a fait mourir, hein, déjà. Ça, ça dégage. Ok. Ah, c'est pas vrai. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Je peux pas... Je... Aïe. Ok. Putain, j'ai besoin de respirer, les mecs. Ouais. Compliqué cette histoire. Si on y arrive du premier coup, on est des monstres. Allez, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très, très beau, ça. Je m'applaudirais si je pouvais. Mais là, c'est compliqué avec une manette en main. C'est beau, ça. Ah, c'est moins beau, ça. Ok, c'est pas mal. GG. Dites-moi que c'est... Ok. Non, 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 non. On a fait quoi d'autre? On a fait quoi d'autre, les gars? Je sais plus. Tire. Tombeau de tir. C'est l'enfer, ça. Les gars, rouge. Ah! À ta gauche! Ah! Ok.
Ok, c'est pas grave, j'ai peur de rien ni personne. Attends, on monte dessus. On va pouvoir saisir cette petite opportunité. Merde! Ok, alors lui en feu, c'est les lames du chaos, je pense. Les gars, doucement. Ouais, c'est bon, les lames du chaos, ça fait le boulot. Ok. Ça, c'est pas mal. Ok, on y va. Mode rage, mon pote. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Bien joué. Pas mal. Monstrueux. Allez, ça dégage. Hop, petite patate là, gros. C'est compliqué, hein. Ça devient très compliqué, cette histoire, hein. Je sais pas ce que ça va donner. Si on fait les 8 royaumes, pardon, j'en perds mes mots tellement ça me semble très compliqué. Oh, désolé, t'es le dernier. Victime collatérale, écartement, chirurgie, on n'en parle plus. Hein. Qui veut me tester ici? Oh, c'est beau ça. Waouh! Ok, attendez. Oh, 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 oh. On va la regarder. Ouais, c'est pas ouf. À la place de quoi? Ah, quoique, en vrai... En vrai, dégâts au max. Et là, pas de dégâts, mais beaucoup d'étourdissements. Je vais garder les dégâts, les gars. C'est arrêté. Je crois que c'est fini. D'accord, mais... Waouh. Regarde. On est de retour à Midgard. Voilà le pont. On a réussi. La tour est de nouveau à sa place. La salle de passage de tir peut maintenant nous mener à Jotunheim. Comment Tyr a fait ça? Odin soupçonnait les géants de posséder des restes de l'essence primordiale des Jotnar. C'est la source de la création de tous les royaumes. La pierre d'unité a dû être façonnée à partir de cette essence. Pour qu'il la confie à un étranger, même à Tyr, il fallait vraiment qu'il soit désespéré. Et regarde, on peut enfin allumer tous les brasiers et voir ce qui arrive. Les brasiers de Tyr, le symbole de la lumière qui unifie les royaumes. Mais pourquoi utiliser ces sortes de runes ? Maintenant que tu le dis, c'est étrange. Ok, un oiseau vient totalement de passer à travers... allume-les, on non a déjà vu ces runes. Oh mais non, tu peux pas, les lire. Oh non, miskina toi, fils. Oh non, tu t'es fait miskiner. Allez, on est parti, les gars. On y va, regardez ce serpent monde incroyable. Attendez, je prends la pause. C'est toujours bon, c'est pour la vignette. C'est pour la vignette. Voilà, là, c'est cool, là. Là, là, c'est le Kratos qu'on aime. Attendez, un petit peu plus haut, parce que c'est le plaisir d'offrir. Ok, on y va. C'est bon, j'ai ma vignette, les gars. Faut toujours penser... Ah bah, faut penser à tout, hein. C'est ça, mon tout, d'être youtubeur. Telle est la vie que j'ai choisie, comme on dit dans le milieu. Pourquoi tu me suis... Pourquoi vous me suivez, là, les mouettes, là? Ah, toi, t'aimes bien passer à travers tout, hein. Je te la raconte un peu, hein. Oh eh, rigole. Ouais, rigole, frère. T'as eu de la chance, c'est tout ce que je peux te dire. Ok, on y va, les gars. Clairement, je vous le dis, ça sent la fin du game. Je pense qu'on va... Vous aimez bien mettre la pagaille, hein, vous deux. S'équiper. Et pourquoi pas... Oh. Bah non, je vais tout récupérer, les gars. C'est fou, quoi. Et pourquoi pas améliorer 2-3 petits trucs. Ça pourrait être cool, vous en pensez quoi? Par exemple, améliorer ceci qui est équipé. Ça, c'est cool. C'est fait. Qu'est-ce qu'on peut améliorer d'autre? J'ai... Ok, j'ai un nouvel emplacement. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se mettre? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se mettre? Peut-être ça, non? Plus de vie, plus de chance. Ou plus de runes. Ouais, plus de vie, plus de chance, ça me paraît pas mal. Ça, c'est une rune de folie, ça. Allez, on y va, les gars! On bombarde! On va voir un petit peu ce qui se cache là-haut. J'ignore ce qu'on trouvera en arrivant à Jotunheim, mais nous devons couvrir nos traces. Les corbeaux d'Odin lui rapporteront que la tour est restaurée. Il ne faut pas qu'il en tire parti. Très bien.
Et on va s'arrêter là, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je pense que le prochain épisode sera très certainement le dernier. À bientôt tout le monde, ciao ciao.